Bonsoir, monsieur Dom. Donc, est-ce qu'il faut présenter Bernard Lubat ? Non, je ne suis pas présentable. Voilà. Je vais le raffier. Est-ce que quelqu'un voudrait qu'on le présente, malgré tout ? Peut-être que quelqu'un ne connaît pas. C'est un journaliste du Sud-Ouest que moi, je lis tout le temps. Parce que je trouve qu'il est très pointu au niveau du théâtre. Et puis quand il se met à penser et à écrire sur la musique, il est pas mal que plein d'autres qui sont soi-disant super professionnels sur le sujet. Bon, ça c'est fait, merci. Merci, voilà. Très bien. On ne présente pas Bernard Lubat. Bienvenue à la station Ozone. Nous allons parler donc de Lubat incendiaire. Un ouvrage d'entretien avec Jean-Marc Faure, un confrère, journaliste, aux éditions Court Circuit. Alors, d'abord, Bernard, on se dit tu, Bernard ? Oui. Pas se forcer. Merci. J'ai regardé l'étymologie d'incendiaire. J'ai dit, alors c'est un flammage, mais ça peut être aussi des sentiments, ça peut être le wek, comme on dit en gascon, mais ça peut être aussi. Ça peut avoir plusieurs sens, cet incendiaire. Alors, quel est-il exactement ? L'incendiaire, c'est celui qui fout le feu aux poudres, quoi. C'est l'artiste, quoi. L'œuvrier, celui qui est à l'œuvre, l'incendie, c'est l'incendie des idées arrêtées. Il y a les idées reçues et il y a pire, il y a les idées déçues. Et donc l'incendiaire, c'est l'artiste, il se brûle lui-même, il se brûle au jeu de lui-même. Et les gens s'en rendent ou pas compte, puisque ils sont pas là pour ça, mais ils sont là pour réfléchir à ce qui leur arrive quand ils sont devant quelqu'un qui se consume. Pour moi, l'histoire du jazz et la philosophie du jazz, c'est ça, quoi. C'est un jeu où on se consume à se jouer. C'est pour ça qu'on joue jamais de la même manière, parce qu'il faut toujours fournir de la matière, quoi. Et sans arrêt, toute sa vie, on se consume. Voilà. Donc, je dirais que pour moi, la musique, elle existe parce qu'elle disparaît. C'est le contraire d'être empaillé, quoi, ou d'être capitalisé, ou d'être mis sur une étagère comme un truc. Non, la musique, ça se perd en marche, quoi. C'est une fuite en avant, quoi. Et en avant, voilà. Donc, c'est un incendiaire au sens de. Enfin, pas de consommateur, mais de consumateur. Consumateur, voilà, ouais. D'accord. C'est-à-dire, c'est une incitation à la consommation. La société de consommation. De consommation, voilà. Très bien. Bon, c'est bien parti. Alors là, vous avez un peu le ton du livre, n'est-ce pas ? Qui est très alerte, un peu plus calme que d'habitude. Je ne sais pas si vous avez eu des consignes. Non, mais parce que c'est l'écrit. Moi, je ne suis pas un écrivain, je suis un écrivien. Oui, c'est moins lacanien que d'habitude. Hein ? J'ose pas encore, ça viendra peut-être que dans 10 ans, j'écrirai des livres pénibles. Mais non, puis c'est difficile d'écrire sur soi parce qu'on est toujours entre la vanité, la solitude, mon beau-frère, les dettes, l'âge, les autres. C'est difficile. J'apprends à écrire, quoi. J'apprends à m'écrire. Alors, je le fais par l'intermédiaire d'un livre. Je le fais par l'intermédiaire de chansons ou de textes que j'ai. Je me sers des concerts qu'on appelle jazz pour mettre dedans des phrases, des mots, des aphorismes, des imaginations. Je ne sais pas. C'est le rapport au langage et à l'écriture qui est pour moi passionnant et donc pas au point. Alors là, tu parles de notre ouvrage, Bernard, parce que celui-ci, c'est quand même question-réponse. Hein. Oui. C'est sous forme d'entretien. Alors, évidemment, on peut dire que tu as écrit les réponses, mais pas les questions. Ouais. Enfin, voilà. Et c'est très intéressant. Alors, c'est un parcours, finalement. C'est assez chronologique. On commence, alors, l'enfance à Uzest, n'est-ce pas ? Ensuite, on poursuit avec les études, enfin... Hein, la carrière, puis le retour à Uzest, où tu es encore très très actif. Alors je me suis dit, mais l'Uchronie est à la mode. L'Uchronie, c'est ce style historique où on détermine
Que serait-il passé si, je sais pas moi, les Allemands avaient gagné à Stalingrad, si Louis XVI avait été gracié, etc. Bon. Et l'Uchronie, je me suis dit, que serait-il passé si Bernard Lutbach n'était pas revenu à l'USEST ? Très très bonne question. Eh ben, je serais resté donc à Paris, j'aurais continué à gagner beaucoup plus d'argent, j'aurais acheté 3-4 appartements que je redouais, machin, j'aurais 2-3 maîtresses, j'aurais mis de l'argent dans une fructifier, quoi. J'aurais voilà, je serais devenu ce que sont devenus beaucoup de mes contemporains avec qui j'ai fait des études et ce métier de la musique à vendre. Parce que quand j'étais à Paris, au fur et à mesure, j'ai fait de la musique à vendre. C'était ça ou rien. Alors la nuit, bien sûr, je faisais de la musique à vivre, mais quand même pas trop. Mais surtout de la musique à vendre, ce qui me permettait d'avoir des économies. De l'argent, quoi. Gagner de l'argent. Voilà. Et donc, voilà ce que je serais devenu si j'étais... Un jour, par hasard, je suis repassé par Uzès, j'étais en tournée avec Michel Portal. On jouait, je ne sais plus où, à Bayonne... C'était très rare qu'on joue dans le sud-ouest à l'époque, il y a 40 ans, on ne jouait pas beaucoup dans le sud-ouest. Et on jouait plutôt dans le sud-ouest où il y avait beaucoup de festivals. Ouais. L'été, il fait beau et il y a de l'argent. Jouant les pins, Antibes, voilà, Nice. Voilà, tout ça. Et je lui dis, tiens, on va passer chez moi à l'estaminet de manger le jambon. Ah ouais, ouais, bah moi j'ai le jambon, puis moi j'ai le jambon. Et puis on lui dit, tiens, si on allait chez on jouait, on a envie de jouer, on n'a rien à foutre pendant 2 jours, bah, tiens, on va faire un concert, on va aller voir le curé, on va demander dans l'église si on peut faire un concert. Alors on a fait un concert dans l'église, comme ça. C'est un concert, ça s'appelait comme ça après, mais sur le coup, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Puis il est venu quand même des gens, le bouche à oreille, puis j'ai dit, c'est pas mal. Et on s'est trouvé assez libre, quoi. Du coup, on a joué dans des conditions imprévues. Peu importante, quoi. Donc, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui nous arrive, là? Et donc, l'année suivante, j'ai recommencé l'idée. Et puis, petit à petit, au bout de 2 ou 3 ans, on a fait des concerts à Uzès l'été. Puis, du coup, j'ai commencé à me saborder de Paris. J'ai commencé à trouver que ce que je perdais mon temps à Paris, qu'il fallait que je choisisse, quoi, entre l'argent et entre la musique à vivre et la musique à vendre, quoi. Alors, inconsciemment, j'ai choisi la musique à vivre, quoi. Et je me suis grillé à Paris du métier, de ce métier. Vous savez, aujourd'hui, on en reparle. Je faisais, par exemple, les musiques de Dalida, de Johnny Hallyday, de tous ces braves gens qui... Claude François. Tu étais un batteur aussi. Oui, j'étais batteur, percussionniste, pianiste, arrangeur, chanteur, enfin, tous les métiers qui rapportent, quoi. Mais Claude François, il savait, il connaissait la batterie. Oui, oui, il avait un certain sens du rythme, mais tous ces mecs-là avaient des capacités au début, mais ils sont vite devenus des représentants de commerce, quoi. Du commerce de leur existence, du commerce de leur croyance, qu'ils étaient, on leur a fait croire qu'ils étaient porteurs de, qu'ils étaient des totems. Alors il y en a un qui résistait quand même à ça, enfin il y en avait d'autres, mais un que j'ai connu, bien sûr, il y avait Brel, il y avait Brassens, il y avait Ferré, mais moi j'ai bien connu Claude Nougaro, qui lui résistait à ça, parce que Claude Nougaro, il s'est fabriqué en rencontrant les musiciens de jazz la nuit. Ils lui ont dit quoi, t'as la prétention de chanter avec nous, pour qui tu te prends? Voilà, alors ses meilleures chansons, d'ailleurs, je trouve, viennent du confrontation directe avec des gens qui n'étaient pas ses larbins. Donc il s'est installé une espèce d'égalité conflictuelle entre musicien et le poète, qui est devenu par là musicien. Et certains musiciens qui sont devenus un peu plus poètes, un peu comme moi, mais il y en a d'autres. Et donc, lui, c'est une erreur, Nougaro. Voilà, formidable, formidable erreur. Ça s'entend, on peut écouter maintenant la différence, quoi. Et pourquoi je dis ça? Parce que je faisais ce métier, des musiques de films. Alors petit à petit, c'était le micro-sillon, c'est la publicité, tout ça. Enfin, c'était l'âge d'or des musiciens comme moi qui se sont laissés prolétariser sans s'en rendre compte pour une somme assez conséquente. On était très bien payés. Et on était très bien payés pour jouer une musique qui niait la musique, quoi, justement. D'ailleurs, c'est ce que vous entendez maintenant qui a gagné. Ce que vous entendez partout à la télé ou à la radio, c'est pas de la musique. Alors, il y a des mots très durs sur le rock. Ah, oui. Très dur. Ben ouais. Et oui, parce que c'est grave, le rock, ce qui lui est arrivé. Quand je dis musique, le rock, c'est faux rebelle, vrai cocu.
Le rock, au départ, c'est un peu comme le free jazz, comme le blues, ça part d'une révolte, d'un cri, d'une existentialité, de « je veux jouer, il faut que ça existe, ça ». Eh bien oui, et ben, c'est ce qui a été le plus facilement récupéré. On a fait croire à tout le monde, achète, t'es révolté, achète le disque. T'es révolté, achète l'ampli de la guitare. Ah ouais, tu sais pas jouer, mais avec l'ampli, ça marche tout seul. Non. Achète le synthétiseur, achète le matos. Ah ouais, tu veux te révolter, achète la sono géante, achète les projo, achète le show. Et tu deviens, machin, ce qu'on appelle aujourd'hui les icônes du jazz, du rock. Pour moi, ça marche pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout ça mon monde. Moi, mon monde, c'est plutôt Thelonious Monk, Luciano Berio, Boulez, Nougaro. C'est disparate, mais en même temps, c'est ça. C'est pas du tout ce qu'on nous a vendu ensuite comme l'anglo-klaxon, quoi, si vous voulez. Quoi. Hein, Miles Davis, oui, d'accord, mais... Bud Powell, oui, et puis la musique classique, la musique romantique, tout ça, oui, mais alors aujourd'hui, la place est prise par un engorgement mondial d'une musique qui nie la musique, quoi. C'est un peu comme la bouffe, c'est de la musique industrielle, c'est de la fabrication industrielle, ça forme les dégoûts et les couleuvres. Alors moi, je suis pour l'exigence d'une musique qui est dure à l'oseille. Oui. Dure d'oseille. Oui, une musique qui vous dérange. Vous savez, les oreilles, petite merveille, c'est ouvert 24h24, ce truc-là. Même quand on dort, on entend. Hein. Non, pas de paupières. Ouais. Ouais, pas de paupières, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est une porte d'entrée terrible pour les marchands, quoi. Pour phagocyter les goûts et les dégoûts, parce que je suis désolé, aujourd'hui, quand on regarde dans les médias, par exemple, les victoires de la musique, c'est plutôt les victimes de la musique. Oui, on nous fait croire que c'est ça, la musique, quoi. Voilà. Alors, heureusement, maintenant, ils ont inventé les victimes de la musique classique. Bon. Mais les victimes, en plus, c'est génial, parce que pour les gens, pour les populations en général, la musique, c'est de la chanson. Puisque les victoires de la musique, c'est de la chanson. C'est pas de la musique. Il y a plein de musiques sans chanson, sans chanteur et sans enchanteur et sans enchanteresse. Voilà. Et ça disparaît. Y a pas, ça n'existe pas. Alors, bien sûr, ils essayent sur la 3, le mardi à 2h30 du mat, de faire les victoires du jazz. Bon. Et en même temps, c'est une copie de la variété, ils font ça. J'ai participé, j'ai même été récompensé. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est du jazz empaillé, quoi. Si vous êtes empaillé, ça passe. Si vous êtes énervé, non, ça passe pas. Parce que, vous savez, la musique, le jazz, c'est un problème, parce que c'est improvisé, le jazz. Ça s'improvise. Donc comment voulez-vous réguler un mec qui passe à la télé? Il faut que tu joues 3 minutes 12. Ah ouais, mais j'improvise, moi. Comment je fais pour... Vous voyez, donc ça va pas, quoi. Le format est pas... Le format va pas bien, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de jazz à la télé. Il n'y en a absolument jamais. Oui, parce que tu peux pas régler ça avec la pub, avec les infos, avec tout ça. Oui, même sur Arte. Oui. Il y a une époque, où ils invitaient encore au début, même sur Arte, oui, mais dans les années 68, 70, je me rappelle, je jouais avec Stan Getz et Eddie Lewis, et on avait encore, dans l'année, on faisait 2 ou 3 télévisions, grand public, comme on disait, mais en même temps, avec toutes les précautions nécessaires, oui, mais oui, il fallait faire gaffe. Alors, nous-mêmes, on se restreignait, on disait, bon, alors, tu joues le thème, après tu fais un petit chorus, machin, pas trop, hein. Après tu fais un petit chorus, pas trop, hein. Après tu fais un petit, et puis après on refait le thème, et puis on arrive, comment ça fait ça, 4-12, ah ouais, non, mais c'est trop, 4-12, attends, il faut mettre... Alors, des fois, ça nous est arrivé de faire 2-2, moi, j'étais partisan de faire 2 minutes 2, c'est bien, ciao, allez, youpi, c'est bien trop court, ah, mais... C'est infernal, quoi. Non, mais ce qui est curieux, c'est que c'est une musique qui est très utilisée dans les documentaires, qui est c'est une musique de fond. En fait, ça a été transformé en une musique de fond. Alors, toi, c'est une musique de front plutôt. Ouais.
plutôt que moi, de fond, mais... les 10 musiques que je joue en ce moment, c'est difficile à faire passer avec des poissons rouges. Mais oui, c'est ça, ce que John Cage appelait la musaque. La musaque, ouais. Hein? Oui. Mais c'est une musique d'ameublement, une musique de décoration, une musique qui c'est mieux que... C'est comme la camomille, quoi. Ça, peut-être ça détend, je ne sais pas. Non, mais c'est curieux. Il y a un documentaire sur Jeanne Moreau, va avoir un fond, ça va être Miles Davis. Ah oui, mais parce que là, c'était l'époque où le jazz à l'époque de Miles Davis, Jeanne Moreau, c'était, l'époque était encore en noir et blanc. Il n'y avait pas la couleur encore. Ça sort pour l'échafaud. Voilà, ça sort pour l'échafaud, machin, Godard, tout ça. Et donc, le jazz, c'était... Il y a Marcel Solal faisait ça, je jouais souvent avec lui. Il a fait... À bout du souffle, ouais. J'y suis dedans, vibraphone. Alors, le jazz était la musique moderne de l'époque, du quartier latin, des étudiants, de l'intelligentsia, du futur, des révolutionnaires. De l'existentialisme. Oui, voilà, l'existentialisme, pas trop du Parti communiste encore, mais enfin, bon. Mais enfin, quand même, c'était un peu vers la gauche, quoi. Et puis petit à petit, c'est le rock qui s'est emparé de qui a tout remplacé, parce que le rock est la pop, quoi. Alors là, c'est devenu massivement industrialisé, quoi. Ah, mais là, tu dis un truc quand même dedans. Tu dis, quand on a écouté Guillaume de Machaut, les Beatles, ça marche pas. Ah, pour moi, non. Mais c'est valable avec beaucoup de choses. Si parce veux, Guillaume de Machaut, c'est quand même. Il y a beaucoup de musiciens qui n'existent pas à côté de la musique sacrée de Machaut, non? Mais Guillaume de Machaut, je vais citer Guillaume de Machaut parce que j'ai entendu des choses de lui extrêmement dissonantes, quoi. Extrêmement moderne pour l'époque, incroyable. Franchement, alors, depuis cette époque, le dissonant a été évacué pour le consonant. C'est quoi, c'est le 14e siècle, hein, oui, oui, il fallait devenir des consonnés, quoi. Oui. Et le dissonant, non, il ne fallait pas, parce que je ne sais pas, le consonant, c'est plutôt c'est l'Église, quoi. C'est le grand tout, le machin, c'est tout l'ordre, la tonalité. L'harmonie tonale, l'harmonie. Alors que le dissonant, c'est des problèmes, c'est des contradictions. Vous voyez, c'est un peu l'esprit critique, quoi, on pourrait dire, quoi. Donc, ça a été un peu évacué. Et c'est revenu, le dissonant, par le jazz, par l'impro. Parce que dans l'impro, quand on improvise, on dit pas tout, on ne sait pas ce qu'on sort, ce qui sort de soi. C'est un peu comme l'inconscient, c'est comme un peu... Le jazz, l'improvisation, c'est comme un immense lapsus, quoi. Il sort de soi tout ce avec quoi on n'est pas forcément d'accord, ni conscient. Mais il sort de soi. C'est-à-dire un soi qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire une identité qui n'est pas celle dont on parle aujourd'hui, arrêtée, classifiée, tout ça. Non, il sort une identité inconnue parce qu'elle est en marche. Donc, pour moi, l'improvisation... D'abord, le jazz a commencé à improviser sur des structures, sur des chansons, sur des thèmes, sur des structures traditionnelles, classiques, européennes, du solfège, tout ça, puis petit à petit, l'improvisation nous a affranchis de tous les modèles. Et maintenant, on appelle ça la musique contemporaine improvisée. Parce qu'elle est dissonante, parce qu'elle s'est affranchie du ton, du rythme, enfin de tous les présupposés passés, quoi. Et c'est ce qu'a fait la musique écrite savante aussi, contemporaine. Vous savez, Varèse, en 1903, il composait déjà une musique désagréable à l'oseille. Lui aussi, et plein de compositeurs aussi ont déjà ouvert ces portes vers l'infini, c'est-à-dire l'inconnu, quoi. Même Boulez, il n'y a pas eu très longtemps, il y a eu une soirée Boulez sur cette chaîne qui fait de la musique la nuit. Mezzo, merci. Voilà. Et donc, il y a eu une soirée Boulez, je vous dis qu'il faut s'accrocher. J'étais là, j'écoutais, dans le chant, ça va. J'ai mis, et lui, il est là. Il a tout prévu de nous emmerder jusqu'au bout. Hein. Il a tout écrit. Et là, il n'y a pas d'improvisation. J'ai eu le plaisir et la souffrance de travailler avec lui. Franchement, c'est... Et c'est génial en même temps, parce qu'il nous dérange. Et puis, il ouvre des chemins inconnus. C'est pour ça, si tu veux, que... Enfin, pour répondre à la question des Beatles, les Beatles, moi, je les ai entendus avant le disque. Je les ai entendus à l'Olympia, en première partie de Pierre Vassilou. Moi, je jouais avec Pierre Vassilou, bon, qui était un chanteur de nos copains, qui traînait la nuit avec nous, qu'on trouvait sympathique avec ses paroles rigolotes et tout ça, et puis sa musique youpi brésilienne. Et il y avait, en première partie, les Beatles, avec une sono pourrie, un ampli Peugeot. Enfin, il débutait, et c'était nul.
C'est-à-dire que c'était ce que c'est, quoi. Enfin, pas, c'est le mec, il s'est un peu joué ça, l'autre, il s'est un peu joué. Après, ils ont fait du studio. Ah, là, on arrive dans le technologisme. Le studio, ça peut être un miroir qui vous arrange sérieusement la couane. Les studios, vous arrangez les trucs, vous mettez de l'écho, vous rendez le produit un peu comme la bouffe industrielle, quoi. Vous rendez le truc. Et d'un seul coup, nous sommes d'un culte inouï, quand on a entendu ces sons, on a été comme à la messe, quoi. On a entendu des mecs qui chantaient à trois voix, alors que ça fait 2000 ans qu'on chante à huit voix. Hein, qui a déjà eu les double six, qui ont fait les single singers, ça fait à peine exemple, et puis dans la musique. Enfin, voilà. Alors donc, c'est tombé là-dedans. Alors, je nie pas qu'il y a quelques mélodies qui sont assez bien foutues, qui sont bien. D'accord, c'est bien. Mais de là en faire les totems, comme d'autres, les totems de la culture du XXe siècle, de notre monde néolibéral en rut, là, alors là, non. Voilà. Moi, ça m'impressionne pas. Dans le livre, il y a. Ouais, après, pour finir avec les Beatles, parce que c'est pas un spécial Beatles non plus, il y a quand même deux chansons. Tu dis, ouais, il y a deux chansons que j'aime bien. Voilà. Bon, mais déjà, c'est pas mal, finalement, parce que. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'aime bien les chansons. C'est énorme, parce que. Là, c'est un vrai rejet de la musique. Alors, pop, ça veut pas dire populaire. Hein. C'est ça pas... veut dire popcorn. Ouais, non, mais exactement. Pop, ça veut dire qui s'est instantanément développé. Ça veut pas dire. Ouais. La musique pop, c'est pas du tout populaire. Hein. Non. Voilà. Bon, enfin, à mon avis. Mais c'est un tel rejet que là, je me dis, d'un coup, moi, j'ai failli appeler Paul McCartney. Quoi. Il y a Lubat qui a trouvé deux chansons qui tiennent la route. Quoi. Ouais, mais il y en a plein de chansons qui tiennent la route dans l'histoire de la chanson. C'est possible, ça existe. Il y a des mélodies dans la musique romantique ou classique qui sont des mélodies simples. Chez Chopin ou ailleurs, il y a des belles choses aussi qui tiennent la route. Quoi. Mais ce que je critique dans la chanson, c'est surtout ce que l'industrie s'est emparée de ça et les dégâts que ça a fait sur le totalitarisme de cette matière. Quoi. Voilà, c'est ça que je critique. Et on dirait qu'il n'y a plus que la chanson quoi, pour nous enchanter. Quoi. Voilà. Et donc c'est ça que je critique. Il y a plein d'autres voies de la musique, y compris du chant. Quand on met un titre qui chante comme Beñat Atxerri, un chanteur basque qui chante aussi bien les chants traditionnels basques que l'improvisation la plus actuelle et tout ça, ce mec on le connaît pas, mais on devrait l'entendre tout le temps parce qu'il ouvre des voies incroyables à l'espérance, à la possibilité, au pluriel, alors qu'on nous rabâche sans arrêt le retour de l'identique. Tout le temps, ça fait. Alors à ce moment, il nous file le film avec Dalida. Après, ça va être la film avec n'importe quoi. Bientôt, ça sera un film sur la vie de Renaud. Je sais pas, moi, tu vois. Ça n'arrête pas, tu vois. C'est l'empaillage, quoi. On est un peu stoppé par rapport à la vision d'avenir. C'est pour ça que je disais avoir des improvisions. Alors du coup, on est en plein retour de nostalgie sur. Ouais. Et comme on fait des sous avec ça, parce que ça nous, sans doute, ça doit nous rassurer. Ouais. C'est l'angoisse devant l'avenir qui est exploitée. Voilà. Comme on ne sait plus quoi faire. Je sais pas. Heureusement, il y a eu des balles à gauche. On les a vues hier. Il y a du boulot. Vas-y. Tu veux parler des témoins de Jéhovah qui étaient réunis Non. Mais c'est un drôle de monde qu'on vit parce que j'imagine si Jean Jaurès voyait ça, il dirait putain, c'est quoi cette civilisation que j'ai participé, que j'ai contribué à réfléchir, à agir. Qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on devient. C'est ça aussi l'histoire de la musique. La musique, elle raconte ça aussi. Quoi, au lieu de ça, moi j'aurais préféré qu'ils se foutent sur la gueule hier soir dans le débat, qu'ils s'engueulent, mais alors c'était une acceptation de l'ordre d'une fausseté, quoi, en gros. Quoi. Ça n'empêche pas qu'ils étaient capables les uns et les autres d'avoir quelque chose à dire, de syntaxiquement correct, mais du point de vue de la pensée et tout ça, c'est faux. Quoi. Donc qu'est-ce qui est vrai là-dedans? La bagarre. Mais la bagarre, alors, ça ne peut pas, la télé, on n'est pas libre. Il faut être des momies. Des momies.
Alors, nous, les artistes, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que foutre la merde dans, les, dans ces empaillages, dans ces prolétarisations. Quoi. C'est ce que j'ai, hier soir, on avait l'impression de voir cinq braves types sincères, mais prolétarisés par leur fonction, tu vois, par leur métier, par leur, la logique. La logique est focus et le focus est logique. Quoi. Il y a le choix des cravates aussi, je trouve. Assez, il n'y avait, pas la cravate. Exaspérant. Mais au moins, lui, il était naze. Mais il était marrant. Il, était... il se marchait sur les pieds, il se marchait sur les syllabes. Tout ça. Mais les autres, alors, tu sais, comme ça, tu vois, non, hein, ils étaient tous sur. Oh, oui, mais non, ah, oh, non, mais non. Vous avez vu, c'était magique. J'ai coupé le son, on m'a donné son. Alors, tu parles. Grandiose. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Après, on va passer au sport. C'est on ne s'improvise pas improvisateur. Mm. Ben oui, ben non. Contrairement à ce que croient les gens, ils croient que l'improvisation, ça, en tous les cas, du point de vue artistiquement, ça viendrait comme ça. Non, non, pas du tout. Non, non, ça s'apprend. Quoi. C'est comme la liberté. Quoi. Ça s'apprend. Improviser, bon, ça nous arrive d'improviser sans le savoir, puisque quand vous pensez, vous improvisez. Quand on pense, on improvise. Hein, on ne sait pas ce qu'on dit, on pense. Quand on change de trottoir, on dit on n'avait pas prévu d'aller là. Si on passe devant un truc, on fait des tas de choses qu'on n'avait pas prévues. Mais le spontanéisme, c'est pas l'improvisation, quoi. L'improvisation, c'est se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé. Et le rugby, qui est aussi une métaphore avec l'improvisation, que je trouve très intéressante, avec ce ballon ovale, ouais. Alors, je vous avais promis du sport, le voilà, le ballon ovale qui rebondit de manière totalement inattendue. Et, oui, c'est ça, oui, mais le rugby, ils apprennent ça aussi, c'est-à-dire il y a deux équipes. Ils ont répété toute la semaine des stratégies, des machins, des entraînements, l'autre équipe aussi. Et puis, il y a l'instant du jeu, ils ouais. se rendent dedans, et là, il faut tout reprendre à zéro. C'est ça. Et là, parce que, putain, il y a les autres, mais pourquoi ils font ça? Alors, je sais, faut que et dans ce mais c'est grâce à tout ce qu'ils ont préparé qu'ils peuvent avoir, d'un seul coup, des idées contraires à ce qu'ils avaient prévu. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire, ça revient à Aragon qui disait on écrit bien que contre, quoi. Tu vois, l'improvisation, c'est se lancer dans un processus où on ne sait plus si on est de son avis ou pas. On a inauguré ce genre de sport avec Michel Portal il y a une trentaine d'années, parce que jusque-là, dans le jazz, on improvisait, mais sur des structures, sur des thèmes, des harmonies, des rythmes préétablis, et on n'en déroge pas, quoi. On improvise sur. Avec Michel Portal, on a commencé à improviser tout court. C'est-à-dire, d'un seul coup, on rentrait sur scène, il n'y avait rien. Si, Portal et moi. Voilà. Avant, qu'est-ce qu'on joue? Ben, toi et moi. Ah bon. Comme deux équipes, alors. Et comment ça commence? Ben, je fais bu, et moi je fais dada, bu, bu. Au bout d'un moment, ça devient quelque chose. Quoi. C'est-à-dire, ça devient existant parce qu'il y a une relation par l'autre. C'est l'autre qui n'est pas toi qui fait qu'on devient l'un. Et l'autre, et pas les mêmes. C'est pour ça qu'on a fait des concerts, on s'engueulait. J'ai dit non, je ne veux plus jamais jouer avec toi. Alors au début, on ne savait pas si c'était du théâtre ou si c'était la vérité. Moi non plus. On s'est engueulé sur scène. Puis c'est oui, mais je te comprends, oui, mais je sais bien que c'est toi qui es le plus âgé. Oh non, merci. Ça a fini par à Martial, il y a 2-3 ans, on s'est paxé sur scène, quoi. Pour rigoler, quoi. Parce qu'aussi, le jeu. C'est de jouer, quoi. C'est une espèce d'enfance qui continue avec malgré l'âge, ou peut-être à cause de l'âge. Pour lutter contre l'infantilisme, il faut de l'enfantillage, à mon avis. Et l'improvisation, ça nous permet de jouer, à jouer, quoi. On joue, quoi. On n'est plus là pour évaluer les risques de risquer. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va être laid? Est-ce que je risque ma carrière? Est-ce que le manager, il va me reprendre? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Non, on arrive à être assez fou, assez normal, finalement, pour jouer
indépendamment de tout ça, pour retrouver le jeu, comme les gosses quand ils jouent, quoi, tu vois, ils jouent pour... Tiens, moi je serai le gendarme, toi tu seras le voleur. On joue à ça, quoi, voilà. On s'amuse à ça. Et petit à petit, on acquiert une pratique psychologique de ça. Et une pratique technique aussi au niveau des doigts, de l'instrument. C'est un savoir-faire qui s'installe, comme les ouvriers, quoi. On est ouvrier d'un fonctionnement psychologique et physique. Et petit à petit, ça nous construit, ça nous grandit. Et puis je sais qu'au début, j'avais peur d'avoir peur. Maintenant, j'ai peur tout court. Je rentre sur scène, j'ai peur, mais j'ai plus peur d'avoir peur. Maintenant, j'ai peur. C'est tout. Et j'ai peur, et j'ai l'habitude, je sais ce que... Je connais cette peur, je la... C'est comme le diable, quoi. Fais gaffe. Mais il est là, quoi. Je joue avec cette peur. La peur, c'est de penser qu'on n'a rien à dire. On a toujours quelque chose à dire. Parce que même rien, hein, rien n'est... Rien, c'est pas rien, quoi. Parfois, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Mais si, c'est-à-dire, ça marche pas quand on, chaque fois qu'on veut essayer de, en improvisant, de reproduire quelque chose qu'on croit. Pour improviser, il faut être absolument pas croyant. Votre Nietzschean. Oui, il faut être pratiquant. Moi, je ne suis pas croyant. Ça m'a appris ça. Je ne crois rien quand je joue. Je ne crois pas. Je pratique. Et à partir de, et maintenant, ça c'est, je ne suis pas le seul, mais c'est une. Un vécu qui se propage parmi les artistes, parmi les musiciens, de plus en plus. D'ailleurs, vous avez, on met souvent festival de jazz et musique improvisée, quoi. Voilà. Comme ça, il y a l'histoire du jazz, le passé, puis musique improvisée, ça parle autrement, ça ouvre de nouvelles portes, ça crée de nouvelles esthétiques, et puis surtout, ça crée des nouvelles possibilités de jouer ensemble. C'est-à-dire que c'est la mort des orchestres, quoi. Des groupes, comme on nous a fait croire beaucoup avec toute cette... Pendant 20-30 ans, on a fait croire aux jeunes que l'idéologie du groupe était la panacée, quoi. C'est-à-dire que c'est en étant ensemble, en reproduisant la même chose de ce que vous pensez de vous, que vous allez devenir célèbre. On a fait croire ça. Le groupe. Voilà, le groupe. La musique improvisée et le jazz a foutu la merde là-dedans, parce que là, il n'est plus question de groupe, il est question d'individuation. Et non pas d'individualisme déguisé, non, d'individuation, de construction de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique actuelle, enfin, moi j'appelle ça la musique inactuelle, parce qu'ils ont trouvé le mot musique actuelle. Et j'en parlais avec le copain qui vend des disques ici, c'est dans les cases musique actuelle, voilà, musique contemporaine. Buren, hier, il disait musique contemporaine, maintenant le mot, je ne sais plus ce que ça veut dire, quoi. Alors pour déconner, on me dit, qu'est-ce que vous jouez comme musique? Je joue de la musique inactuelle. Comme ça, le mec, il part en réfléchissant, s'il veut. Et... Je n'en sais rien, moi, ce que je joue, jamais inactuelle. Pourquoi j'ai divergé, là? Non, c'est ça l'improvisation aussi. Non, il y a un truc... Sur l'improvisation, peut-être tu veux finir, tu veux oui, continuer c'est sur ça, l'improvisation. Oui, je finis sur l'improvisation. Je pense que l'improvisation, ça nous permet de jouer avec l'autre. Et parce que, par exemple, si je veux jouer avec un Chinois, le temps que j'apprenne sa culture chinoise, je suis mort, lui aussi, de jouer avec ma culture à moi. Alors, si je joue avec un Chinois qui a une culture pas au point, qui est en mouvement, et que moi je suis une culture en mouvement, là, on peut jouer qu'on n'y connaît rien ensemble. Et on va devenir l'un et l'autre en train de s'interroger nous-mêmes. Je vais lui faire ça au mec, au Chinois. Ah ben là, c'est belle, c'est bouche que je joue. Il va me dire, eh ben, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Il va faire. On va commencer comme des fous, quoi, à articuler une relation. Comme disait Édouard Glissant, une relation, quoi. Une relation poétique. Et qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Il va se passer qu'on va se demander, mais qui c'est lui? Au lieu de croire qu'il est comme ceci, on va comprendre qu'il n'est pas du tout comme on croit. Voilà, il est comme il devient. Et moi aussi. Et c'est comme ça que l'improvisation, c'est pas que de l'improvisation, c'est pas qu'un rapport esthétique, c'est l'improvisation, c'est philosophique, c'est politique. C'est pour ça que j'avais trouvé le mot poélitique pour être définitivement paumé dans le truc, pour se dire, bon, il y a du boulot, qu'est-ce que ça veut dire poélitique, quoi. Et l'improvisation, pour moi, c'est ça, avoir ou pas des improvisions. C'est-à-dire faire le pari que l'autre, c'est parce qu'il est l'autre que je peux avoir des relations avec lui. Parce que moi aussi, je suis un autre.
je ne suis pas celui que j'ai laissé là, il y a 3 minutes. Quoi. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe alors? Comment on le sent que ça ne marche pas? Souvent, il y a 21 jours, on jouait comme ça sur scène à Poitiers, avec la compagnie Luba, il y a un mec qui arrive en courant avec le chèque. Avec... Luba, je vous paierai jamais, c'est pas du jazz, voilà comment on le sent. Ça finit comme ça, quoi. Oui, c'est pas du jazz. Il avait raison. Je lui dis, d'accord avec toi, c'est pas du jazz tel que tu l'entends. Mais bon, qu'est-ce qui se passe ici? Mais la question de foirer ou réussir, ça se pose plus là. La question, par exemple, tu vois, on est en train de produire un disque avec à Uzest. On a lancé l'idée d'une musique à vivre, d'un enregistrement de musique à vivre qu'on appelle les dialogiques d'Uzest. Alors, on a fait un premier disque avec les dialogiques du geste, c'est-à-dire que je convoque en dual l'autre. En l'occurrence, ça a commencé avec Sylvain Luc, un guitariste. En ce moment, on est en train de sortir ce dual avec Louis Clavis et moi. Ben, ce qu'on entend là-dedans, c'est l'esthétique du souffle. L'esthétique du souffle, voilà. Après, c'est estiqué, les machins comme ça, je ne sais pas. C'est le souffle. Il y a un souffle qui part de ces deux personnes en toute liberté, comme ça. Ils sortent. Ils se soufflent dans les narines, tous les deux. Et ça, ça donne une musique que j'aime bien parce que pour moi, elle est authentiquement non finie, quoi. J'en profite pour dire que le disque en question sera est à l'entrée, à la sortie maintenant. Ah ouais. voilà, ainsi que le livre. Des fois, je me dis le spectateur, parce que l'improvisateur Bernard, quand on est sur scène, c'est une chose. Des fois, je me dis l'auditeur. Comment il trouve sa place dans le comment il se situe, c'est-à-dire alors il écoute lui parce qu'il n'improvise pas, enfin, il peut improviser à sa manière, je sais pas, en tapant des pieds, en tapant des mains, en criant, en chantant, enfin, mais même en écoutant il improvise, parce que s'il est devant que ce qu'il sait déjà, s'il retrouve ce qu'il sait déjà, si on l'habitue à aller écouter que ce qu'il connaît déjà, là, il est peinard. Voilà. Alors, la question, c'est quel est l'auditeur? Quel est l'auditeur ad hoc pour un improvisateur? Moi, je me suis attaché à ça avec Uzès parce que je suis tombé dans un pays qui n'en a rien à secouer de ce que je joue. Bon. Ils s'en foutent. Luba, ils entendent dire que c'est un musicien, machin, machin, comme ça. Mais enfin, ils ne rentrent pas dans les détails. Oh, c'est un original, on ne comprend rien à ce qu'il joue. Tout ça. Bon, très bien, ils ont raison. Donc, ça m'a alerté justement sur cette nécessité ou réalité de l'éducation, de la pédagogie. Ça, c'est pas un truc qui empêche de dormir mes collègues. Hein. Mais enfin, bon. Moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, bon, comment être compréhensible, quoi, dans ce que moi, je considère comme ayant à faire, quoi. Par exemple, si je propose à des gens un concert de piano solo, j'essaye de trouver une proposition qui parle du piano classique, qui va au piano jazz, qui va au piano préparé, qui va au piano augmenté, qui va au piano tonal, qui va au piano atonal. J'essaye d'avoir une espèce de parcours. Des fois, je me trompe, je ne sais pas, mais j'essaye ça en tous les cas. Mais c'est le contenu du geste musical, ça. Hein. C'est ainsi qu'on essaye de proposer aux gens des cheminements qui les ont fait fuir à certains au début. Puis petit à petit, ça les a intrigués. Il y en a qui ont fui à vie, bon, mais il y en a qui reviennent et qui s'intéressent et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. En tous les cas, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en moi quand j'ai écouté ça? Parce que si l'artiste ne propose pas au spectateur qu'il puisse se passer quelque chose en lui, au spectateur, ça c'est évident qu'il sera passif. Donc on peut s'improviser auditeur d'improvisation. Oui, absolument. Et c'est Eric Satie qui disait « J'ai un grand respect des goûts du public, je lutte contre. » C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui. Et c'est pas bête. En même temps, moi, je veux pas en rester là, parce que j'ai pas la prétention d'assommer les gens. Mais je voudrais dire aux gens que l'histoire de l'art,
comme l'identité, ça n'a pas arrêté de changer, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Et je dis souvent ça, méfions-nous de nos goûts, quoi, parce que je ne sais plus qui disait, les goûts sont faits de mille dégoûts. C'est Valérie qui disait ça, voilà. Donc les goûts, il faut faire gaffe, c'est comme les croyances. On croit à ça, puis il suffit de bouger un peu pour dire « Ah bon, c'est pas sûr. » Je sais pas, enfin voilà. Et la relation... c'est pour ça que Uzès, on s'est battu pour que ça reste et que ça continue à être un laboratoire de recherche fondamentalement applicable. Parce que finalement, la recherche dont on nous dit partout qu'elle est élitaire ou élitiste, on s'en sert tous les uns et les autres 50 ans ou 100 ans ou 20 ans après, quoi. Et alors souvent, on fait la confusion entre élitriste et élitriste, élitiste et singulier. Souvent, on nomme élitiste ce qui est singulier, ce qui apparaît singulier. On le traite d'élitiste. Alors je me suis dit à Uzès, il faut trouver comment faire. Alors je me suis dit, il faut trouver entre populaire et élitriste. Il faut se servir des mots pour trouver comme en rugby, hein, trouver un intervalle, comme tu passes au centimètre, tu passes un intervalle, tu fais avancer le schmilblick d'un millimètre virgule deux, quoi. Mais bon, c'est déjà ça, quoi. Et c'est pour ça que, mais pour ça, il faut pouvoir être libre, d'être libre avec le public. Parce que si tu es constipé, si tu crois qu'il faut que le public, il encaisse absolument quelle est ma vérité, et c'est comme les mecs qu'on avait la télé, là, comme ça, oui, la France, oui, mais moi, je dirais que quand je serai président, putain, bon, ben, il faut trouver une relation glissante. Il parle beaucoup comme ça de la poétique de la relation, trouver une relation comme ça, glissant, il parlait souvent comme ça, en fermant les yeux, comme ça, il est venu longtemps, il parlait, il réfléchissait tout, comme ça, et le fait qu'il réfléchissait, ça nous aidait à réfléchir, ça nous incitait à réfléchir. Et pourquoi, et par quoi on est incité à réfléchir? Par quelque chose qu'on ne comprend pas. Sans ça, on réfléchit pas tout seul. Quand vous lisez un bouquin, c'est pas pour, vous n'êtes pas d'accord au préalable, non, vous apprenez. C'est cette histoire d'apprendre, quoi. Il faudrait que nous, les artistes, on soit dans cette situation de dire, trouver comment, avec le sourire, avec de l'humour, quoi. C'est pour ça que j'ai mis, moi, des jouets, des balles de ping-pong dans mes trucs, des canards qui passent, parce que de ce coup, je voulais pas tomber dans la messe, quoi. Ni dans le meeting. On a vu un mec... Tu vois, du butin de Panurge. Mais oui... Alors, c'est paradoxal, c'est pour ça que je parlais d'incendiaire, parce que c'est le bouquin de Jean Genet, là, sur le funambule. L'artiste qui se grille, quoi. C'est pour ça que j'aimais bien des proches, parce que des proches, moi, les concerts que je fais tout seul, c'est entre Thelonious Monk et des proches. J'aimais bien des proches parce qu'il allait un peu au bout de... C'était un critique en situation critique. Il allait à la corne, quoi. Juste, il se dit, matin, il se fout de notre gueule. Et moi, je le vis, ça. Et des fois, je leur dis, genre, hey, vous pensez que je me fous de votre gueule? Eh bien, c'est peut-être vrai. Ah bon? Alors, mais vous avez payé la place? Je vais venir discuter avec toi. Il y a une espèce de rigoler un peu de cette relation qui est vraie ou qui est fausse, je ne sais pas, entre spectateur et artiste. J'ai banni de mon verbiage le mot public, parce que pu et blic, ben ça se dit pas, toi. Donc spectateur, ouais, auditeur, public, comme la France, quoi. Alors on va parler un peu de lecture maintenant, parce qu'on est quand même chez Mola, parce que je sais que tu es un grand lecteur, un très sérieux lecteur, très honnête, ça c'est sûr. Et donc j'aimerais bien que tu parles de nos lectures. Alors tout à l'heure, tu disais c'était Valérie, la citation de Valérie, c'était Paul Valérie, c'était oui. Pas Valérie Giscard d'Estaing. Non, ni le chanteur, il y en a eu un terrible. François Valérie, qui a fait des dégâts considérables. Ils reprennent, il y a des tours maintenant opérateurs sur le nostalgie avec les. Ah oui, c'est ça. Les chanteurs empaillés de l'époque bleue. Là. Non, mais ça, c'est vrai, c'est de la taxidermie. Ah oui, non, puis ça marche, parce que les grands-parents qui amènent leurs parents et les petits-enfants pour voir le truc, pour voir l'étendue des dégâts, sur trois générations, ça marche. On a du boulot. C'est de l'acharnement. Ouais. Oui, alors,
la lecture, c'est très important la lecture. Ouais. Depuis toujours, non? Ouais. Non, pas depuis toujours. J'ai commencé très tard. Je suis pas. C'est vrai. Je suis pas né dans les livres quand je suis né dans un bistrot. Et, heureusement pas dans un bal musette, mais. Non, mais les livres. À l'école, quoi. Oui, oui, mais l'école. Tu aurais pu avoir un prof qui te passe Jules Verne ou. Oui, même pas, non. Non. Non, c'est après l'école communale. Ouais. J'étais un bon élève, mais c'est l'école communale à 14 ans. J'ai eu mon certificat d'études primitif. Ouais. Et puis après, je suis parti au conservatoire et tout. Et puis c'est là que j'ai retrouvé les bouquins. J'ai retrouvé la nécessité de lire par la complexité de la musique. Quand j'ai trouvé Chopin, Bach, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Parce que Jean-Sébastien Bach, tu vois, c'est des maths supérieures, quoi. Et quand je me suis retrouvé en face de ça, j'ai dit, mais oulala, mais c'est quoi ça? Alors, c'était quoi les lectures pour, pour éclairer les lectures, Jean-Sébastien? Ça a été les philosophes, ça a été les sciences sociales, ça a été... Philosophes contemporains ou... Oui, les vieux, non, les vieux. Ouais. Nietzsche, Kant, tous ces pénibles, quoi, que je comprenais à peine, quoi. Mais j'ai beaucoup appris avec les gens que je ne comprenais pas. Surtout avec les gens que je ne comprenais pas. Je vous conseille de... Enfin, c'est vous qui voyez. Moi, ça m'a fait cet effet. Le roman, au moins, j'ai du mal avec la littérature, mais je devrais, et ça va venir. Je suis jeune, j'ai que 72 ans. Hein. Mais ça viendra. Et puis... C'est plutôt les essais, alors. Hein. Oui, plutôt les essais, puis la philosophie, puis les biographies aussi sur les histoires des compositeurs, surtout des compositeurs contemporains, enfin, du XXe siècle. Là. Leur parcours... Varese, Stravinsky, Debussy, oui, et puis Messiaen, oui, Messiaen, pénible celui-là. Oh, Messiaen, ouais. Quel fabuleux Messiaen. Si je vous fais écouter fort, vous partez tous en courant, là. Hein. Il est terrible, Messiaen. S'il passe un jour à la télé avec le vrai son, tout le monde appelle à la police. Hein. Putain, c'est un chrétien et tout ça, que croyant et tout, c'est incroyable, fabuleux, mais c'est un mystère pour moi. Les oiseaux de Saint-François, c'est monstrueux. Puis je plains les gens qui jouent ça, hein. Mais c'est magnifique, quoi. C'est le beau, c'est le commencement du terrible. Et puis les poètes, et puis Mansiette, quoi. Et puis André Benedetto, tous ces mecs-là. Mansiette, il m'a aussi... 20 ans de Mansiette, ça m'a fait rattraper un peu de retard, quoi. Puis de jouer avec lui, d'entendre sa poésie en occitan et en français, et puis de passer des nuits à être obligé de répondre à son injonction. Dis-moi ce que t'en penses de ce poète, de ce poème dont tu parles. Voilà, il me demande ça, il vous dit, c'est carrément un suicide, quoi. Mais formidable. Il lisait et puis il te demandait ton avis. Parce qu'il écrivait, il est de nouveau. Parce que je lui demandais de faire, par exemple, quand on a fait à Bordeaux le passage de l'an 2000, j'avais présenté à Juppé un projet de feu d'artifice, musique avec toute la banlieue bordelaise, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, tout ça. La cube, oui. Et donc, j'avais demandé à Mansiette d'écrire un poème sur Bordeaux qui devait dire entre 11h et 11h30 le soir, à 23h30. Et je l'accompagnais au piano. Un poème sur Bordeaux magnifique. Et ce poème, il a été dit sur la place de la Bourse, dans une grande scène. Et il y avait un monde fou dans Bordeaux. Et puis devant nous, il y en avait. Le Sud-Ouest disait qu'il y avait 100 000 personnes dans la ville, partout. Tu vois, bon. Et avant le feu d'artifice, de 23h à 23h30, Mansiette dit son poème. Et moi, je l'accompagne au piano. Et là, il y avait pas mal de jeunes en bas, des trucs qui disaient ah, dégage le vieux, casse-toi. Tu vois, c'était vraiment. Il commençait à y avoir des jets, des trucs comme ça. Bon. Et il n'a pas moulu, Mansiette, il a continué. Et à 11h30, on a arrêté. Et on a laissé les gens monter comme il voulait le public avant minuit, passage à l'an 2000. Et là, c'était marrant, c'est ce qui s'est passé. Les gens. Il y avait une espèce de murmure musical incroyable qui montait. Et puis à minuit, mon copain Patrick Osier, il a fait péter un feu d'artifice monumental. Et Mansiette, c'est l'indicible, quoi. C'est la poésie. Une page par jour pendant 100 ans, quoi.
L'enterrement en sabre. Ouais. Et puis c'est des choses qu'il a écrites aussi pour Uzest, qu'on a joué à Uzest, un hommage à Notre-Dame d'Uzest, qu'on a joué un jour aussi, une nuit. Vous parlez de religion des fois avec... Ouais, beaucoup, oui, beaucoup, oui, oui. Il me disait que ça durait, hein. Je crois en Dieu parce qu'il n'existe pas. Il me disait, bon, mais d'accord. Mais... Il devait aimer ton côté pratiquant mais non croyant. Oui. Hein, ouais, moi, il ne me prenait pas au sérieux quand je disais que je n'étais pas croyant. Tu vois, il me disait, il cause toujours. Tout. Ça m'a fait en attendant, il était d'accord pour qu'il y ait une confrontation artistique tous les deux. Quoi. Parce que, à cause de lui, j'ai compris que la musique était infinie. Parce que quand il parlait, que je jouais avec lui du piano, je ne pouvais pas faire du piano jazz ou du piano comme ceci, cela. J'étais obligé d'inventer un piano qui était la relation avec lui. Parce qu'avec lui, si j'avais été accompagnateur, il me fusillait, il n'avait pas besoin de l'arbin. Quoi. Il fallait qu'il joue avec quelqu'un qui s'estimait à égalité. Pour s'estimer à égalité avec Mansiette, il faut être un peu mégalo. Ben, j'étais un peu mégalo et je ne me suis pas laissé faire. Et il y a un enregistrement comme ça de 20 ans de concert qui existe, qui s'appelle Poésique, qu'on vend, qu'on jette, enfin, ça dépend des catégories. Parce c'est que... un DVD aussi, non? Non. Non, c'est... non. Alors on n'a pas eu les moyens jusque-là de filmer. C'était une époque d'avant. C'était il y a 20 ans, 30 ans. Tu vois, ça ne se filmait pas comme aujourd'hui. Maintenant, tout le monde filme. Tu vois, je ne voulais pas une film. Non, non c'est... Il m'a permis de... Il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de limite, quoi. Qu'il n'y avait que des limites que pour les limiter, quoi. Mais qu'il fallait chevaucher les frontières, qu'il fallait entendre. Et quand j'entendais Mansiette... moi, j'ai connu le Mansiette par l'oral, hein, je l'ai lu, mais j'ai bénéficié de l'entendre se lire. Un Gascon, alors. Ouais. Et après, j'ai commencé à lui répondre avec ses traductions en français. Quand il trouvait que ça ne suffisait pas, il le reprenait, lui, en français, il reprenait en Gascon. Puis après, j'ai vu qu'il commençait à improviser parce qu'il prenait des notes, il transformait, il avait des idées, etc. Donc, c'était des images mentales, il m'envoyait des trucs. Et puis, le son de sa voix, sa rocaille, c'était un bluesman, quoi. C'était un rocker, Mansiette. Mais un vrai, quoi, pas un quadrillé, quoi, tu vois. Non, un vrai, quoi, comme étaient les vieux qui jouaient de la guitare de bro à la Nouvelle-Orléans. Comme ça, noir, quoi, noir. Il parlait noir, il parlait l'occitan noir, l'oulandais, qu'on nage comme une pêche, mais que c'est nègre. Alors que nous, en Gironde, l'oulandais, qu'on nage comme une pêche, mais que c'est nègre. Oui, on est aigre. Eux, ils étaient noirs. Là, tout. Mm-hmm. Et Mansiette, il était comme ça, il était noir. Il était violent. Qu'est-ce qu'il écoutait comme musique, Mansiette? Qui, Mansiette? Ouais. Il écoutait du baroque, des trucs comme non, ça. Non, non, il n'écoutait pas parce qu'il n'avait pas de tourne-disque. Non? Non, il avait juste un lit, une table, plusieurs stylos. Des fourneaux? Ouais, des fourneaux pour cuire le poulet parce que la mamie d'à côté, elle faisait bien le poulet. Mais non, il n'avait pas de télé, pas de radio. Un peu, oui, une vieux poste de radio, je me demande s'il marchait d'ailleurs. Mais je ne l'ai jamais entendu marcher. Ouais. Non, Mansiette, énorme. Et puis André Benedetto, et puis j'en oublie, là j'oublie, parce que j'ai rencontré des Nougaro aussi, des gens qui parlaient, qui chantaient les mots, quoi. Benedetto, ça a été un des fondateurs du festival. Oui, du festival Off d'Avignon, puis ça a été aussi, il a travaillé avec Jean Vidard beaucoup à Avignon. Ouais. Hein. Et puis c'est un de ceux, Jean Benedetto, qui nous a remis les mots en. C'est un de ceux qui a mis les mots dans la musique, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était pas bien, mais y compris dans le jazz, les mots où ils étaient chantés, où ils pouvaient pas être. Enfin, c'était très compartimenté. Tu m'as parlé d'un projet avec Roland Gori. Ouais, ben Roland Gori, il y a un bouquin qui est là. J'ai vu qu'il était à vendre. Je sais plus comment il s'appelle ce bouquin. Le monde des sans esprit. Le monde des sans esprit, c'est ça. Oui, le monde s'en est pris. Mais avec Roland Gori Charles Sylvestre, journaliste, et moi, on va sortir un bouquin sur Actes Sud, je crois, qui s'appelle Les Ouvriers.
C'est un néologisme, un jour, qui m'est arrivé comme ça. Je me suis dit, tiens, l'œuvre, ouvrier, ouvrir, l'œuvrier, mais c'est moi, ça. L'œuvre y est, c'est toi, c'est lui, c'est elle, l'œuvre y est, quoi. Et donc, d'un seul coup, ça, comme Roland Goris, un psychanalyste et philosophe, et Charles, c'est journaliste. Et donc, on a fait un bouquin qui va sortir bientôt, je crois, dans un mois ou deux, sur cette idée d'œuvrier. C'est quoi un œuvrier? Ça serait quoi la classe ouvrière, oui. Une façon de reparler du mot ouvrier, parce que je pense qu'on a un peu oublié, quoi. On a oublié qu'il existe, enfin, on a oublié qu'on serait peut-être aussi des ouvriers, quoi. Il n'y a pas qu'eux qui ont été prolétarisés, nous, c'est un peu plus camouflé, mais on n'est plus trop ouvert, quoi. On n'est plus trop à l'ouverture aujourd'hui, on serait plutôt dans la... Donc, voilà, c'est une réflexion sur... Et puis, on fait donc plusieurs rencontres comme ça, de conférences sur ce thème, de parler, quoi. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'une chaîne de supermarché allait licencier 3000 caissières pour les remplacer par des machines. Ça paraît fou, mais ça y est, on y est. Alors, des fois, je me suis intéressé récemment à un mouvement, c'est les ludites. Hein. Les ludites, c'était des gens qui... c'était des ouvriers dans les... qui fabriquaient avec du coton, qui faisaient des vêtements dans les... Comment ça s'appelle? Oui, voilà, merci. Et qui, lorsqu'on a remplacé leurs mains par des machines, ils se sont révoltés. Alors, ils ne sont pas révoltés pour avoir de plus hauts salaires, ils ne sont pas révoltés pour avoir des vacances, ils sont révoltés parce qu'on leur enlevait la capacité de... On a eu en France ça avec les canuts, hein, dans une moindre mesure. Et c'est juste une révolte, disons, de la main, donc du métier. Hein, c'est, métier, l'étymologie, c'est main, je crois, contre les machines. Mais je pense que... on devrait avoir à faire quelque chose comme ça dans l'avenir, parce qu'il y a bien un moment où il va falloir arrêter la machine. Alors, musicalement, par exemple, comment on lutte contre la machine? C'est compliqué, ça, mais c'est intéressant. Ben, la machine, par exemple, quand sont arrivées la technologie de l'enregistrement pour la musique, ça a permis d'enregistrer et de duplicater une production de marchandises, quoi. Mais on avait déjà commencé, nous, les musiciens, à nous rapetisser. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me rappelle, quand je faisais de la batterie pour une chanson, il fallait être très en place, très, très précisément. Donc, on m'envoyait dans le casque un modèle qui faisait tac, 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 tac. Alors moi, je faisais tout, tac, ton, ton, tac, ton, tap, tac, tac. Alors vous finissez la journée comme ça, bon. C'est arrivé à quelle année, ça? Les années... C'était 70, oui. Ouais, 70. Déjà, quand? Et alors, petit à petit, ils ont découvert qu'avec... la boîte à rythme est arrivée, et plutôt que le musicien imite la boîte à rythme, on a préféré mettre des boîtes à rythme qui, elles, font pas de grève. Ça marche tout seul. Mais nous, on avait déjà anticipé le truc de se transformer déjà en boîte à rythme. C'est ça qui m'inquiète. On s'était déjà prêté à l'ordre. L'ordre d'une mathématique de construction marchandisée, quoi. Voilà. Le binaire, donc, quoi. Voilà. Donc, petit à petit, le studio, il est arrivé avec des possibilités de multipistes, dont sont arrivés des instruments qui imitaient les instruments. Donc, avec un instrument, on imitait tous les autres. Mais déjà, le principe de la musique saucisson était déjà installé. On faisait déjà du saucisson avec des vrais violons. Mais alors, on commençait à faire des kilos. Et plus on faisait du saucisson, plus il fallait produire du saucisson. Donc, il fallait, du coup, qu'une machine fabrique pour faire des... Alors, on a gardé les violons pour le saucisson de luxe. Mais pour le saucisson ordinaire, prolétarien, on a foutu des machines qui imitent le violon, qui imitent le trombone, qui imitent tout ça. Donc, tout ça, ça coûte de moins en moins cher. Enfin, ça coûte... C'est pas que ça coûte... Ça coûte cher autrement.
parce que plutôt que de prendre des musiciens, ça fait marcher l'industrie de la fabrication d'instruments sophistiqués, etc. Alors, là-dedans, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire qui continue, ça se transforme et on est toujours dans le baba, quoi. Voilà, et c'est souvent, je pense qu'on aurait tendance à anticiper notre propre débâcle. C'est-à-dire de se soumettre à la machine. Oui. Vis-à-vis de la machine. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire, c'est sûr, puisqu'on l'invente, finalement. Alors, comment faire après pour. Par contre, avec des machines, on peut être essentiellement désagréable. Ouais, mais c'est ça qui parce vient. Que moi j'ai un synthétiseur, même un piano qui est une machine. On peut jouer autrement que pour recouler, pour une mélodie qui rassure les nuits. Oui, on peut machine. Jouer. D'ailleurs, j'ai mis des patates dedans, moi j'ai mis des tas de trucs. J'altère beaucoup le piano, ce que je trouve une invention formidable. Et je pense qu'en fait, la question de la robotique. C'est l'expression de nous-mêmes, quoi. C'est que faisons-nous de nous-mêmes, quoi. Alors, si on se fait avoir par le robot, c'est nous qui nous suicidons. Mais en même temps, c'est nous-mêmes qui l'avons inventé. Donc, on a des capacités à inventer ce qui peut nous aider à vivre de ce qu'on ne ferait pas. Par exemple, imagine qu'il y a une machine qui ramasse les ordures tous les matins, quoi. Voilà. Sans faire ramasseur d'ordures que personne n'a envie de faire ce métier, quoi. Qu'une machine qui fasse ça tout seul, qui conduise toute seule, il n'y a pas besoin de chauffeur. Bon, voilà. Alors là, mais en général, souvent la machine, sitôt que ça marche, c'est pour nous exploiter encore plus. C'est pas pour nous soulager. Ça pourrait nous soulager, mais c'est pour nous exploiter. Après, qu'est-ce que c'est l'histoire de satellites qui tournent autour de nous, là, avec le mec qui répare tout ça à l'extérieur et tout ça, que toutes ces recherches vont nous servent aussi à nous, quoi. Non, mais la machine au handicap, moi j'ai discuté avec un auteur qui a écrit l'histoire de l'orientation, comment les hommes se sont orientés. Il me disait, ben là, le GPS, c'est un retour en arrière affreux, parce que plus personne ne sait s'orienter. Ouais. Mais vraiment. C'est-à-dire que on perd donc des facultés cognitives. Absolument. Et peut-être on en gagne ailleurs, je sais pas. Ça se voit. Ouais, non, mais je pense qu'on est dans une contradiction. Moi, c'est l'idée que je me fais aujourd'hui de ce que j'ai à faire. Donc, je dis musique à vivre. J'essaie de qu'est-ce que c'est la musique à vivre? C'est de la musique libre, en liberté, sauvage. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la musique à vendre? C'est la musique dans le zoo, quoi. C'est de la musique industrielle, quoi, de fabrication industrielle, et qui de plus en plus peut se faire sans musicien. Bien sûr. Il suffit d'un ingénieur du son ou d'un producteur assez malin qui se dit, bon, c'est l'époque de sortir tel ou tel saucisson avec cette couleur, là, il va le faire, puis ça va marcher. Il a sorti un morceau, voilà. Sans musicien. Alors, je pensais que la musique à vivre, c'était la musique qui rend la vie plus intéressante que la musique. Et que la musique à vendre, c'est une musique qui rend la vente plus intéressante que la vie. Voilà, pour essayer de trouver, si tu veux, parce que une batterie aussi, c'est un robot, quoi, par rapport à un tambour de base. C'est des sons, c'est des cymbales, c'est des fabrications aussi. Industrielles, c'est très compliqué, tout ça. Ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je travaille souvent avec un logiciel qui a été inventé par l'IRCAM. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un logiciel on appelle ça du piano augmenté. C'est un logiciel qui développe mon improvisation. Je joue, j'improvise, il me capte, et lui, il se met à improviser. C'est pas la copie de ce que j'ai fait, mais c'est dans l'idée de ce que j'ai fait. Il reproduit des cheminements comme ça. Alors où c'est intéressant, c'est que il reproduit des cheminements quand il les fait. Des fois, je trouve ça nul, et puis des fois, je trouve ça me vexe, monstrueux.
Parce que lui, il n'a pas eu d'enfance malheureuse, ce con-là. Alors, ça dépend. Alors, il fait des parcours, il part comme ça. Alors, des fois, il sort des trucs qui m'influencent. Il me dit, oh, c'est génial, ça. Pourquoi j'ai pas pensé avant, quoi. Bah ouais, mais quand je joue aux échecs sur mon ordinateur, je suis vexé, d'ailleurs, chaque fois. Voilà. Mais voilà. Alors, c'est pour ça que c'est comme tout le reste, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, ça nous ramène à notre responsabilité à nous et surtout de notre propre capacité de réflexion et des conséquences de ce à quoi on joue, quoi. Bien, ben je crois que cela va nous servir de conclusion. Alors, si vous voulez continuer, parce que ce qui est étonnant, c'est que ce livre, il donne cette impression orale. Hein. Il est vivant, on t'entend parler, quoi. Donc, si vous voulez continuer avec Bernard Lubat, voilà, c'est un moyen. Il y a la musique aussi, bien sûr. Merci, messieurs dames.